Non, mercredi, jeudi, si je parle. Qu'est-ce que tu penses des autres? Ah non, je suis pas là pour porter un jugement sur les autres. Je suis là pour porter un jugement pour ceux qui sont là, sur les gens qui sont ici, qui peuvent répondre. Et sinon, Fanfan, je te disais tout à l'heure, sur Fanfan, il était un peu, il avait un caractère de merde. Ah non, j'ai jamais dit ça. J'ai dit que Fanfan était caractériel. Mais c'est tout. Ben. Tester aussi, caractériel. Ben. Ben, il comment va? Écoutez, Ben il est plus musclé que moi, donc j'ai pas envie de m'en prendre. Il est perdu, il est plus musclé. Oh, perdu, alors lui il est vraiment relou. Perdu c'est une catastrophe. Vincent. Non, ouais, Vincent quand il parle pas de politique ça. Pourquoi tout le monde le fait? Et voilà, c'est tout. Qui d'autre? Moi qui? Dans le groupe. Julien. Ah, Julien très sympathique. Mais. Mais vas-y. Mais. Allez. Non mais ce soir il m'a empêché de boire de la 1-6, ça m'a déçu de la part de quelqu'un qui est manifestement alcoolique. Ben. Ben, Ben il vit mal le fait que j'ai intégré le groupe et que bon niveau humour ça n'a rien à voir. Je suis à un niveau. Non mais vous rigolez mais. Vas-y développe. Vas-y. Ben est jaloux de mon intelligence humoristique. Alors, je profite que Fanfan ne soit pas là pour un peu décrire l'animal. Fanfan. Ah, c'est chiant les trucs comme ça. Là. Fanfan despote. Fanfan. Non, mais attends. Mais ce qui est le plus beau, c'est que Fanfan c'est le plus intègre de nous tous. Parce qu'il est despote et il le sait, il l'assume et il le dit. Et c'est perdu, ce qui fait mal. Perdu. En perdu, là il est pas là, c'est pas intéressant. Non, perdu, c'est une merde. C'est sur moi. Tester, il aime rien. Hein? Et non, Tester, il est de gauche. C'est bon, j'entends maintenant. Tester est de gauche. Bon, alors, Gislain, je que Gislain soit pas là. Alors, Gislain vient de partir, donc je peux balancer sur lui. Gislain, c'est quelqu'un de profondément égoïste. La semaine dernière, exemple. La semaine dernière, perdu, cherche à rentrer. Il habite à 100 mètres de chez lui. 100 mètres. Il habite dans 2 mètres. Il habite. C'est son voisin de palier. Gislain a refusé de le reconduire chez lui sous prétexte que ça faisait un quart d'heure de plus sur le périph. Alors là, moi, je trouve ça un peu égoïste. Ni... Je dirais égoïste. Bon, et surtout. Je reviens des toilettes. Une péniche est trop bien. Faut qu'on achète. Est-ce que vous connaissez la blague de du chauffeur d'autobus? Non. Il y en a pas parce que j'étais derrière. Encore. Bon, je dis ça, c'est putain, un clavier basse, l'Ascadémie, c'est une comédie sociale. Voilà. Merci. Animé par le nouveau. À la maison, je vois du bois, du sec, du son, du son. Rastafari! Allez, viens, à la maison. Allez, viens. Y'a du pain, y'a du saucisson. Allez, viens. Oui, à la maison, du beau milieu. Y'a du pain, et du saucisson.